Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Nous sommes ici une fois de plus pour le 14e jour pour crier notre indignation face au contenu profanatoire de la pièce de Castellucci. Moi, ce qui me choque, c'est que dans des quartiers populaires comme celui-là, c'est-à-dire où il y a de la mixité, il y a des gens qui viennent avec des propos fascisants. Et voilà. Et qu'en plus, c'est cautionné par quoi? C'est cautionné par l'État, c'est cautionné par Sarkozy, parce qu'on envoie des milices, voilà, des flics et des trucs. En plus, virer les gens. C'est-à-dire qu'on habite un endroit, on descend et limite, voilà, ils nous disent vous partez. Mais moi, si j'habite ici, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie d'être devant chez moi, j'ai le droit. Pourquoi est-ce que les chrétiens devraient, eux, subir des humiliations plus que d'autres? Si on a un regard un tant soit peu objectif, un tant soit peu neutre, on voit bien que la religion la plus brimée en France, c'est la religion catholique. Or, la France est fille aînée de l'Église et nous entendons bien mettre fin à ce scandale. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Pas une question de liberté de juger par soi-même, c'est une question d'aller vers le bien et non pas vers le mal. Mettre de la merde sur le visage du Christ, vous trouvez que c'est un bien ou un mal? Si je mets de la merde sur le visage de votre mère, vous direz que c'est bien ou c'est mal? Non. Bah alors, le Christ c'est mon père, c'est notre père. Donc je ne permets pas qu'on l'insulte en public, voilà, c'est tout. En public, parce qu'il y a 1000 personnes, il y avait 1000 personnes au théâtre de la ville. C'est pas quelque chose de privé. S'il y a eu 1000 personnes, est-ce que vous ne pensez pas quelque part que vous avez une responsabilité dans tout ça? Avec le bruit qui a été fait autour de cette pièce, avec ce qui s'est passé... Mais qui a assisté à ces salles de théâtre? C'est tous les bobos parisiens? Vous croyez que ce sont nos cris qui vont les amener voir cela? Il y a longtemps qu'ils sont dans la merde jusqu'au cou, ces gens-là. Il y a longtemps. Ils se complaisent là-dedans. Pipi, caca, ils sont restés au stade anal. Moi, j'ai dépassé le stade anal. Mouvement politique aujourd'hui? Comment? C'est un mouvement politique aujourd'hui? Non, ça n'a rien à voir. Ne faites pas d'amalgame entre la politique et la religion. Je vous pose une question. Non, ce n'est pas. Il n'y a pas d'amalgame, c'est tout. C'est un mouvement religieux, vous êtes témoin. Il n'y a pas eu de slogan. C'est politique? C'est fascisant, peut-être? Non, mais on était très bien accueillis, allez interroger les gens. Ils sont aux fenêtres. Oui, mais ils viennent d'où, ceux-là? Ils viennent d'où, ceux-là? Tous ceux qui sont autour, il n'y en a pas un qui a... Regardez, ils sont aux fenêtres, ils sont contents. La première fois qu'on prie sous leurs fenêtres, ils en sont heureux. Trois coups, c'est ça la solution. Deux planches, trois coups, c'est ça la solution. Deux planches, trois coups, c'est ça la solution.